Nietzsche. Citation sur la peur. Les âmes froides, les muets, les aveugles, les ivrognes n'ont pas ce que j'appelle le courage. Celui qui a du courage, c'est celui qui connaît la peur. Mais qui la dompte, qui voit l'abîme, mais qui en est fier. Connaissez-vous la terreur de celui qui s'endort? La peur l'envahit de la tête aux pieds. Car le sol se dérobe sous lui et le rêve commence. La peur de l'incompréhensible qui, d'une façon équivoque, exige de nous des cérémonies a revêtu peu à peu l'attrait de l'hermétisme. Et, lorsqu'on ne parvenait pas à l'approfondir, on apprenait à créer. Le rêve est la responsabilité. Vous voulez être responsable de toutes choses, excepté de vos rêves. Quelle misérable faiblesse, quel manque de courage logique. Rien ne vous appartient plus en propre que vos rêves. Rien n'est davantage votre œuvre. Sujet, forme, durée, acteur, spectateur. Dans ces comédies, vous êtes tout vous-même. Et c'est là justement que vous avez peur et que vous avez honte de vous-même. Les consciencieux, avez-vous remarqué quels étaient les hommes qui attachaient la plus grande importance à la conscience la plus sévère? Ceux qui se connaissent beaucoup de sentiments misérables. Qui pensent à eux-mêmes avec crainte et ont peur des autres. Ceux qui veulent cacher leur intérieur autant que cela est possible. Ils cherchent à s'en imposer à eux-mêmes par cette sévérité consciencieuse et cette rigueur du devoir. Grâce à l'impression sévère et rigide que les autres, surtout les subordonnés, doivent en ressentir. Nuit et musique. Ce n'est que dans la nuit et dans la demi-obscurité des sombres forêts et des cavernes. Que l'oreille, organe de la crainte, a pu se développer aussi abondamment qu'elle l'a fait grâce à la façon de vivre de l'âge de la peur, c'est-à-dire la plus longue époque humaine qu'il y ait eue. Lorsqu'il fait clair, l'oreille est beaucoup moins nécessaire. De là le caractère de la musique, art de la nuit. Et de la pénombre. Ce n'est pas la férocité de la bête de proie qui éprouve le besoin d'un travestissement moral, mais la bête du troupeau avec sa médiocrité profonde, la peur et l'ennui qu'elle se cause à elle-même.
Je ne sais rien de plus déchirant que la lecture de Shakespeare. Que n'a dû souffrir un homme pour avoir un tel besoin de faire le pitre? Comprend-on, Hamlet? Ce n'est pas le doute, c'est la certitude qui rend fou. Mais il faut, pour sentir ainsi, toute la profondeur de l'abîme. Nous avons tous peur de la vérité. J'ai une peur horrible d'être canonisé un jour. Un philosophe. Un être, hélas, qui souvent se sauve loin de lui-même, souvent a peur de lui-même, mais qui est trop curieux pour ne pas revenir toujours à lui-même.